rentrer la Kaili et ou pas qu'a fait aucune transaction à moun qui dans pays Canada sous gain des biens dans pays Canada bien ça yo ou a perdu automatiquement sous gain de l'argent des comptes en banque y a gelé yo dis-moi et Laurent Lamotte l'fin apprendre nouvelle ça à qui état d'esprit nouvelle ça rentrer dans oreille. Bon, premièrement, m'a salué au guerrier, m'a salué tout auditeur, auditrice, boucante la parole. Et parce que nous connaissons une grosse émission qui remplit l'écoute internationale, locale, et dans quatre coins, le monde entier. Donc, félicitations pour ça. Et effectivement, guerrier, moi apprends une nouvelle là, que Canada, moi levé hier matin, et puis moi recevoir son WhatsApp, que moi t'as sujet à des sanctions de Canada, soi-disant parce que maintenant financé gang, etc. Et donc moi-même, Laurent Lamotte, est-ce que c'est autorité canadienne qui contacte ou bien ces nouvelles là ou apprennent même à tout le monde? Non, moi-même c'est sur WhatsApp que je recevoir la nouvelle. Je ne recevoir aucune information du gouvernement canadien. C'est sur WhatsApp que je recevoir même à tout le monde. C'est sur nouvelle internet que je recevoir. Ok, mais qui première impression et l'on recevoir nouvelle ça? Bon, il y a deux bagages. Premièrement, je trouve qu'il y a une légèreté dans les gens que le gouvernement Canada règle les questions. Hein? Parce que pour prendre sanction contre le monde, premièrement, il faut que tu aies un minimum, un minima d'investigation qui fait. Il faut que tu aies un rapport qui sorti, il faut que tu aies des indices, et puis il faut que tu aies un motif tout. Parce que moi-même, je connais, Laurent Lamotte, tout le monde connaît que nous étions premier ministre pendant 31 mois. Et si il y a un monde qui a traqué gang, qui était derrière gang, il y a bien Laurent Lamotte. Donc, nous trouvons drôle que je ne le dis pas, et le gouvernement canadien, dans tout le monde qui est dans le pays, qui est dans gang, dans tout le monde qui est dans le pays, qui n'a question, qui n'a question banditiste, et puis c'est moi-même Cap Goumet qui fait pratiquement tout et mandat pour ministre Cap Goumet contre bandit. M'a renforcé la police nationale d'Haïti, et puis c'est sous moi, Canada avec moi pour le vin. Donc ça, c'est une erreur grave que Canada fait là. Pour qui ça, ou estime le son erreur, puisque ou même ou fait partie de l'équipe bandit légale d'ailleurs? Michel Martelly présente comme tel, Laurent Lamotte bandit légal, toute équipe bandit légal le présente yo, et il pas prend pour contre, il prend ensemble avec Martelly. Ça veut dire que est-ce que dans structure, dans montage que nous avons fait, soit pour nous gagner élection, soit pour que nous te gouverner, est-ce que nous pas gagner dans équipe bandit légal, nous pas gagner connexion avec des bandits? Bon, et pour me répondre aux questions, ça, premièrement, faut nous faire différence là, entre un chanté et pour une vidéo, et puis un gouvernement. Moi-même, je ne pas dans le gouvernement, je ne pas dans la question banditiste, et tout le monde connaît ça. Tout le monde connaît la position de Laurent Lamotte vis-à-vis de bandits. Et ça, je crois que tout le monde doit reconnaître, parce qu'on doit aimer Laurent Lamotte, on ne doit pas aimer Laurent Lamotte. Ça, c'est choix par. Mais faut d'accord que le Laurent Lamotte là, pas de gain, kidnapping, pas de gain zone de non-droit, ou te ka passe Matisse sans kekal, ou te gain droit sorti kekal, te gain vie nocturne sans problème, te gain touriste qui t'a rentré dans le pays, ou pas de paix pour t'aller vivre, parce que vous connaissez la police qui est là pour vous support. Donc, ça, ce sont des faits. Quand il y a question de bandits illégaux, etc., moi-même, je ne vais pas souscrire ma logique, ça, parce que je ne vais pas bandit, même vous, mais votre bandit. Non, mais vous dites pas bandit, mais à l'époque, les présents des bandits illégaux, ou pas de jambes, on foi même. Ou pas de jambes, on foi même. Comme si, soit pendant des premiers ministres, ou pendant des équipes et bandits illégaux, Jean-Michel Martelly présente là, ou pas de jambes dit clairement qu'on ne la donne. Ça veut dire que, parce que, bon, où est là, peut-être. Il y a même du oui, on se dit, n'a pas vu dans fait là, Kounia. Nous avons vu dans fait là tout à l'heure, mais ça, son information, un élément extrêmement important, il reconnaît clairement que
Michel Martelly présenté bandit légal, parce que être bandit, cela veut dire exactement ce que cela veut dire, mais ou pas de jambes, dit le contraire, les Michel Martelly t'a présenté comme un bandit. Et je dis, hein, pas oublier niveau économique et qui peut-être Kalia ou bien niveau économique, pas au niveau économique, Michel Martelly. Et avec toute question gang qui a venu aujourd'hui, hein, si tu as une promotion qui a fait pour question gang, nous tout est assumé. Et je dis, hein, y a essayé de garder les gens qui sont dans gang. Eh bien, sinon, Laurent Lamotte figuré dans la liste. Non, comme si non, 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 excusez-moi, excusez-moi. Je trouve que là, je n'ai assumé la question de gang. D'ailleurs, regardez les résultats. Si vous voulez me changer de résultat, je vais mettre des bandits. Non, mais ça, son appellation est extrêmement intéressant. Non, non, non. Non, ça dit que, regardez, pas oublier que ça fait 8 ans que je suis premier ministre encore. Ça fait 8 ans que je suis dans la primature encore. OK? Et qui ça résultat depuis l'heure que je quitte? Est-ce que la sécurité a augmenté? Est-ce que je me sens pire en sécurité? Est-ce que je sens que, comme si je ne suis pas inquiété, je ne prends pas l'argent que je voulais? Ou bien est-ce que depuis 2014, on dégringolade? Donc, il faut rester sur les faits, parce que les faits sont importants. Quand il y a la question de jeu de mots, okay, de bandit légal, on a parlé de chanson, de on chanter. D'ailleurs, c'est une seule fois que, Michel Martelly était référé à ça. C'est une musique qu'il a fait, musique taxi, dans une vidéo. Donc là, on a parlé de entertainment, on a parlé de chanter, on va parler de bail sérieux qui c'est juste son pays. Ah, ou quand même. Juste son pays, son bail sérieux que lui. Ok, mais on vit dans ça qui est plus sérieux. Et moi, nous sommes en 2013. À l'époque, tu as un parlementaire, député Delma Taba, qui t'a indexé ou bien présenté des dossiers. Quand il parlait de 200 Galil. Que et Salim Soukar et Théal prend personnellement et des Galil Zayo, c'est ou même qui te gagne gestion, c'est ou qui te fait commande yo. Et un peu plus tard, il va le retrouver en pile dans Galil Zayo, dans des bases. T'es même gon Galil que t'as le trouvé juste dans pays Jamaïque. 200 Galil Zayo que Anel Belize a toujours abdi qui disparaît, qui vient prendre un douane aéroport, personne moun pa wè qui côté ou fait. Et qui soit qu'à répondre de 200 Galil Zayo? Premièrement, mais voyez-vous, Talea, un document que je trouve dans l'archive, qui sont documents de la police nationale d'Haïti, qui c'est un accusé de réception et de livraison de pas 200 Galil, mais 1000 Galil que CSPN a commandé pour la police nationale d'Haïti. Donc, question de 200 Galil que Anel Belize a parlé à, OK. Anel Belize a voyé monter. On va pas rentrer dans question de polémique avec Anel Belize parce que encore une fois les faits restent les faits. On rete dans fait. On va dans voyé monter. CSPN gouvernement que m'ta dirigé à l'époque là, t'es constaté que t'es gagné une situation côté police là. Pas bien rien en main. Dernier zam que tu as commandé, OK? Bon, d'ailleurs, pas même commandé ça, nous, que c'est zam la médaille que tu as gagné, tu as gagné une équipe de vie et M1 avec tes 65 dans main. Donc, là que nous venons, nous faisons une commande globale pour la police nationale d'Haïti. Et nous faisons une commande globale ça pour exactement 15 000 pistolets Taurus. Que nous commandons dans le pays Brésil. Nous commandons 5000 fusils 12 Taurus que nous commandons dans le pays Brésil. Nous commandons 1000 Galil dans le pays Israël pour unités spécialisées. D'ailleurs, toute unité spécialisée police dans le pays aujourd'hui, que ce soit SWAT, BRI, que ce soit SIMO, UDMO, toutes. C'est comme un, c'est comme un Galil ça, c'est ça, ça dans la main. Donc, t'es gagné. Et là, on a parlé en 2013. OK? En 2013, police l'a recevoir. En plus de ça, CSPN, t'es commandé pour la police 5 blindés. Ça a eu les petits magas, bon, je dis à la, gagné 4 qui en panne.
Moi, c'est Younzel Makrete. Et ensuite, nous avons commandé, si nous avons trouvé 4 ou 5 camions de l'eau. OK? Donc, ça, c'était comme un global pour la police nationale d'Haïti. Kounia là, pour me voir plus d'informations toujours sur question de commande spécifique Galila, OK? Gagner un certificat définitif d'accusé de réception qui émet le 8 août 2013. OK, par la police nationale, la direction de logistique, qui dit que yo recevra le 5 mars 2013 une quantité de 200 fusils Galil, modèle ACE-22. Ensuite, le 11 juillet 2013, une quantité de 500 Galil, modèle ACE-22. Ensuite, le 8 juillet 2013, en quantité de 300 Galil. Donc ça, c'est date exacte avec modèle Galil qui était recevoir et qui bon total de 1000 fusils Galil qui recevoir dans la direction logistique de la police. Là. Et document ça a signé par le directeur de la logistique, M. Yves Stock, alias Chupa, qui fait le jeudi 8 août 2013. Donc ça, c'est pour nous répondre à vous voyez monter, bluff, et puis une campagne médiatique de bas niveau. Ok? Et puis, moun pa même prend temps pour documenter vous même. Tout document là est disponible. Bon, d'ailleurs, je vais poster le document ça sur compte Twitter, mais tout le monde peut aller, tout le monde peut apprécier pour elle. Qualité menti. Qualité menti que y a bail depuis l'homme qui était pris match. Donc l'homme qui était primatia parce que excusez-moi l'homme dans primatia faut comprendre que nous avons mené une bataille contre plusieurs gangs mafia contre plusieurs réseaux mafia nous avons boumé contre eux nous avons boumé contre mafia contrebande t'as pas oublié que premier formal sous l'homme fait monter comme premier ministre premier bataille là c'était sous frontière que n'allé OK nous montrons task force anti-contrebande, qui te gagne plusieurs unités là-dedans, avec plus que 40 policiers pour te contrôler frontières. La preuve, recette douanière était augmentée considérablement. Ensuite, nous menons une bataille contre gang, avec kidnapping. D'ailleurs, kidnapping n'était venu à un niveau presque à zéro à l'époque ça. Donc, tu as un travail qui t'a fait contre une série de réseaux mafia dans le pays. D'ailleurs, je pense que tout le monde peut reconnaître lui. Deux n'ont plus gros réseau mafia. Ils viennent démanteler sous gouvernement. Quitter réseau et son la famille d'un côté. D'un autre côté, Clifford Brett. Donc, M. Sayo, OK, la police là, c'est pas même gouvernement, c'est la police qui a fait travail, qui a identifié M. Sayo dans des activités louches. Et puis, ils ont mis en bas code. Laurent Lamotte et Clifford Brett t'es sauvé. Moi connais histoire li on ti gens fraîche dans l'esprit auditoire pour quand la parole yo puisque nous fait appel à très souvent mais yo pas focus seulement tout sur question de financement gang ou bien association et gang et autres yo parlé tout de blanchiment d'argent blanchiment d'avoir et tout ça yo et moi connais côté premier ministre bon depuis un certain temps ou pas dans pays avant mais après tout quitté pays hein. Et est-ce que Canada pas gagne enquête la mener sous de biens qu'on gagne de richesses ou ta fait dans pays hein? Parce que yo pas arrêté focus seulement sous question de questions financement gagné autre mais gagne l'autre accusation tout que vous mettez tant coup blanchiment d'avoir et puis gagne l'autre question encore. Parce que moi-même, je voulais focus sur ça seulement. Et comme vous êtes premier ministre, okay. Donc, en termes de son gain et investissement qu'on va faire, est-ce que ce n'est pas de l'argent qu'on prend dans le pays et puis on va l'investir de l'autre côté? Parce que vous regardez tout le paramètre ça. Bon. Et Guerrier m'a répondu à la question, ça, très simplement. Yo prend deux ou trois accusations et puis yo mette le pour tout le monde. Donc, vous avez 9 points sur l'île là. 9 points qui très différents de l'autre. Ou gagne des anciens présidents
Et là, je ne parle pas ni pour ancien président, ni pour ancien premier ministre, ni pour ancien parlementaire, sénateur, je parle pour Laurent Lamothe. Je dis ça, moi-même, je connais. OK? Et ça, moi-même, ce que je connais, c'est que Canada sorti avec des sanctions que yo dit qui c'est principalement financement de gangs armés dans le pays. Alors que yo pourquoi, regardez, l'on fait une accusation comme ça. Au moins, il faut faire une enquête. Et ça, c'est sous un état de droit. Il faut faire une enquête. L'on fait une enquête. L'enquête, la boucle, il y a là. Une série de monde. Surtout en 2022. En 2022, il est très facile pour faire soit les traçabilité des fonds. Ça veut dire que si on dit que on fait blanchiment, pas un problème. Il y a dit, OK, on fait blanchiment, mais qui est-ce qui a blanchiment? OK, mes numéros de compte. Qui va qu'on observe pour faire blanchiment, mais qui est-ce qui recevoir et puis à quelle fin que recevoir. Non pas qu'à briter au fond plongaille ou vont parler et vous dit que ou a fait blanchiment ou bien ou dans financement gang. Même c'est pour ça que moi fais un communiqué jeudi à mandé. On va qui bien simple. Nous dit que dans financement gang, très bien. Mais dit c'est archi faux. On dit OK, qui gang? Qui l'aime financer gang yo? Côté gang yo et ensuite, vina avec une preuve publique. D'ailleurs, m'a même blé que yo kembe le privé, m'a blé que yo mette le public. Mais comme yo pa gen preuve, yo pa gen indice, yo pa gen. Donc, moi-même, m'a dit nation, que là, pratiquement, m'a trouvé que Canada, faut vérifier source information. Parce que source information, c'est une source qui clairement un discrédit politique, ok, by Laurent Lamothe a enseigné de l'autre monde. Mais, parce que nous avons deux dernières questions. Mais Laurent Fom dit clairement que soit dit là dans la radio, soit peut-être tout est dit matin dans la métropole, l'IPABRAL changer et décision Canada, ou comme ça? Moi-même, ça qui est intéressant. Non, mais est-ce que tu comptes ça? Non, est-ce que tu comptes ça tout? Ça veut dire que, vin dans la radio, parler dans la radio, il n'y a pas changé de décision Canada. Non, mais c'est pas. Bonjour, guerrier. Yo, Canada applique une décision, OK, sous officiel haïtien. OK? Sans enquête, sans investigation. Non, yo, ou pas qu'à dire sans enquête. Ou pas qu'à dire sans enquête. Foton. Non. Et non, tribunal doit dire ça. Non. Est-ce que d'accord que Foton, ou pour qu'on ait dossier dans mon? Yo, pour qu'on ait ou pour qu'on ait demandé dossier? Ça veut dire que ton dossier a vint genou. Mais font demande dossier. Mais demande que le dossier à public. Et ça me dit. Mais font demande. Et me demande en plus de ça. En plus de ça, me demande non seulement ça, pour que gagner. Une enquête internationale neutre qui fait sous question financement gang en Haïti. Premier monde qui demande une enquête, ça c'est moi. Et me réitérer demande là. Parce que tout le monde connaît qui a signé FIFA. Derrière, tout le monde connaît qui a financé gang dans le pays. OK? Tout le monde connaît gang yo même, yo plus médiatique que même gouvernement lui-même. Et gang yo même plusieurs fois parler, yo dit mais qui est-ce qui a financé? OK? Donc on va prendre un sérieux dans la dia. Si nous devons faire un bail sérieux, il faut nous être conséquents avec nous. Est-ce que Laurent Lamothe engagé? Je dis à tout le monde qui est qui crée gang yo. Est-ce que Laurent Lamothe déjà engagé un cabinet d'avocats pour que les suivis qu'a fait dans la question et sanctions au prend contre l'IA et que le gouvernement canadien prend contre? Est-ce que vous avez une firme avocat qui travaille sur le dossier ça? Ça, c'est la moindre des choses. Ça, bien sûr que oui. Non, si c'est pour ça, nous allons défendre nous comme ça doit. D'ailleurs, nous ne pouvons pas suspendre. Nous ne pouvons pas suspendre et faire ça. OK? Ça, c'est une autre accusation encore que vous faites. Que nous allons défendre parce que j'aime nous tout mentir par en fond. Ça veut dire que si vous venez avec une accusation, non pays, non état de droit avec le Canada. Et Canada, si son état de droit lié, là, on connaît que le pas fait n'importe accusation contre n'importe qui est. Sans preuve, sans même un indice. Et puis, ce serait quoi le motif? Qui est-ce que t'as motif là? Il y a même un motif. Il y a un geste. Et les matins, on député t'a parlé dans l'air, qui font plongaille. Parce que, en question de justice, quand chaque monde est différent de l'autre,
ou pas capable faire l'interview et pour monter pour combiner avec des indices précis. Qui député ça? Qui député ça? Qui député ça? Non, pas connais sont des qui voient ben sur WhatsApp. On député, pas connais si sont député haïtien canadien, pas connais. OK, mais vraiment dernière question Laurent Lamotte. Est-ce qu'on gagne ou gagne des biens dans pays Canada? Ou gagne avoir dans pays Canada? Matin, tu réponds une question non le point non, on pas gagne. Ou pas gagne Canada? Non, pas gagne. Okay. Et États-Unis pas reproche rien en plus. Ça veut dire administration américaine là, il pas reproche rien. Guerrier Menzo, Laurent Lamotte. Pas dans question kidnapping, pas dans question gang, pas dans question blanchiment, pas dans question de criminalité. Laurent Lamotte goumen contre bagay sa yo et tout le monde connaît et tout le monde j'aime tout là même ça me trouve qui doit là. C'est que faut monde suspend dans l'hypocrisie dans le pays parce que tout le monde connaît qui est le créateur des gangs. Qui est-ce qui crée gang dans le pays? Tout le monde qui est sur, il faut ne pas perdre. Tout le monde qui est lié. Qui est-ce qui crée la médecine en chef, la mer rouge? Qui est-ce qui crée? Est-ce que c'est Laurent Lamotte qui crée? Ou bien c'est Laurent Lamotte qui goûte contre vous? Enfin, sérieux, mes amis. Non, mais Laurent, pas seulement qui la médecine en chef de la mer rouge, non. Parce que là, Kounia, il y a un grand ville. Il y a un grand ville. Il y a un village. À l'époque. Vous comprenez? Oui, mais l'homme de là, Kounia là, mais pas obligé, ça fait 8 ans que je quitte le poste de Premier ministre. Ça fait 8 ans que je suis en matière. En tout cas, Laurent Lamotte. Je ne dis pas que je suis responsable. Excusez-moi, guerrier. Excusez-moi, je ne dis pas que je suis responsable. L'homme de là, tout ça, je dis que c'est l'homme de là. L'homme de là, pas de gagner toute gang ça, toute prolifération de l'insécurité ça. Pas bien toute souffrance ça que mon y a subi aujourd'hui à des kidnappings de personnes là caillou pas bien bah comme ça en tout cas Laurent Lamotte ça faut le reconnaître ben moi souhaiter ou déjà bonne chance puisque ou bral gain pour aller gérer question ça dans tribunal parce que c'est vrai que ou parle à pays là et ou bral gain pour gérer ça dans tribunal de préférence parce que là Ça pas breeding dans décision Canada prend hein, et ensemble d'intervention qu'on fait yo mais nous va suivre dossier ça puisque ou même ou déjà annoncé clairement que cabinet d'avocats va faire suivi sous question ça ou déjà mandé pour yo communiquer yo et dossier a pour capable de quoi il en est merci et mandé tout et pas oublier tout ça qui est important c'est que moi mandé en plus de tout ça moi mandé pour que yo fait une enquête internationale neutre sous question financement gang en APIA. Merci un peu, Laurent Lamotte. À bientôt. Merci un peu, Guerrier. Merci un peu, auditeur, auditrice. Vous grantez la parole. Merci un peu. Merci. Et Laurent Lamotte. Okay.